de vous retrouver j'espère que votre week-end s'est bien passé et que vous en avez bien profité surtout alors pour bien débuter cette semaine je vais vous proposer aujourd'hui un petit megazord et plus précisément donc le time force megazord issu bien évidemment de la série power rangers time force donc neuvième série neuvième saison pardon de la série us Power Rangers. Voilà donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini moi et mini mini moi, quant à eux, vous feront un petit coucou tout à l'heure. Allez à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs et bonne découverte avec ce vraiment excellent petit père, Time Force Megazord Voilà, donc moi je vous dis à tout à l'heure, allez tchuss Ouais, bah bonne revue les mecs Tout pareil que papy TF et Mini moi Allez, tous you Putain, mais ça va être vraiment comme ça tout le temps Ah, oh, minerve lui Et voici donc tout de suite un aperçu de nos 5 véhicules, puisque oui, ils sont cinq. Donc de cette série euh, apparue en France donc sur TF1 en 2002. Donc aux etats unis ils sont connus sous euh, comme étant donc les Time Force Megazord. Au Japon, la série Mirai Sentai Time Ranger. Et en France, donc, Power Rangers, la force du temps, tout simplement. Voilà, donc, ils sont composés, comme je vous le disais, de 5 véhicules. Donc, à savoir, le Chronojet 1, piloté par le Ranger rouge. Chronojet 2, piloté par le Ranger bleu. Chronojet 3, piloté, quant à lui, par le Ranger vert. Euh, le Chronojet 4... Comme sa couleur l'indique, piloté par le Ranger rose, euh, Ranger jaune pardon, et, et le Chronojet 5 piloté par le Ranger rose. Voilà un petit peu. Donc pour cette petite team. Alors petite présentation donc du Chronojet 1 du Ranger rouge. Voilà donc petit euh, petit vaisseau plutôt futuriste puisque la série donc est censée se passer en l'an 3000. Voilà un petit peu donc on retrouve euh, bah, de très très jolies finitions. Hein. C'est vraiment une team que j'aime énormément euh, donc à savoir du silver, du chrome juste ici. Ces parties là arrière sont en véritable métal. Voilà encore du silver juste ici. Que dire de plus Voilà un petit peu sur les côtés ce que ça donne. Donc on retrouve les rotules de fixation pour le mode robot. Euh, Vu de dos, voilà ce que ça donne. Au niveau d'undercarriage, on a quelque chose de très propre avec des petits stickers ici, les trains d'atterrissage donc qui sont rétractables. Je vous montrerai ça juste juste après. Et petite particularité de, de ces vaisseaux également, c'est que voilà, nous avons la possibilité de pouvoir y placer. Euh, chaque pilote attitré à l'intérieur du cockpit, ça c'est vraiment un très bon point, donc à savoir que pour ça par contre il faut le, le mini-set Flyer Magnum, voilà, qui n'est pas très très simple à trouver, et donc euh, qui est composé euh, d'un petit jet qui se transforme en arme pour le mode robot bleu, voilà. Et donc tout c'est tout tout, tout ce, ce petit ce petit set en fait est pourvu également donc de chaque petite figurine extrêmement bien réalisée d'abord d'ailleurs pardon que l'on peut donc euh, insérer aux commandes de chaque véhicule voilà un petit peu donc pour celui-ci donc pour le train d'atterrissage voilà c'est tout simple vous pouvez rabattre celui le, le train avant comme ceci et les trains arrière ainsi voilà un petit peu donc pour le véhicule du Ranger rouge. Passons à présent donc au Chronojet 2. Voilà, là encore petit véhicule assez futuriste avec l'avant donc en, en chrome. Voilà des petites bandes silver bien fichues, un petit stickers ici sur le dessus, du silver, des petites euh, gravures et moulures euh, bien pensées. Encore des stickers donc au niveau euh, des ailes. Voilà la cabine du cockpit. Elle aussi s'ouvre de façon à pouvoir y loger la petite figurine. J'espère pouvoir les trouver à un de ces quatre parce que ça, ça me plairait vraiment. J'aime bien quand on a la possibilité de, de, de pouvoir mettre une petite figurine aux, aux commandes d'un véhicule. Voilà ce que ça donne. Donc pour l'arrière, on a quelques petites parties en, en métal pour le dessous. Voilà également donc un aperçu de celui-ci et l'encore. Donc vous pouvez rentrer le train d'atterrissage avant et arrière. Ainsi, et le voilà prêt pour s'envoler. Voici à présent donc le Chronojet 3 piloté par le Ranger Ver, comme l'indiquent les stickers. Donc on retrouve une forme de véhicule très proche du Chrono du Chronojet 2 de, 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 du Ranger bleu, mais voilà, les deux véhicules ont quand même été bien pensés puisque ils se distinguent complètement l'un de l'autre notamment comme vous pouvez le constater celui-ci a des grandes ailes arrière celui-ci a deux jeux d'ailes inférieures et supérieures beaucoup plus petites nous avons également donc le cockpit qui est voilà d'une forme assez différente y compris pour l'avant donc le reste reste quand même assez euh, assez proche donc on retrouve là encore donc du chrome à l'avant du silver sur les côtés sur le dessus les autocollants vue de dos vu de dessous même chose on peut rabattre donc le train d'atterrissage avant et arrière comme ceci et voilà pour ce petit pépère, là encore nous avons donc le cockpit aux couleurs de, du personnage voilà donc vraiment très, très 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 fun le cockpit est en plastique euh, transparent euh, sombre voilà donc vraiment très belle très belle petite pièce on poursuit à présent donc avec le Chronojet 4 piloté par le Ranger jaune. Voilà, donc euh, un peu plus petit que, que les deux précédents ou que les trois précédents même, avec les couleurs bien entendu du Ranger jaune. Voilà, plutôt très bien fichu, avec des stickers aussi sur les côtés du Silver. Voilà, très bonne finition dans l'ensemble, les plastiques sont, sont, sont lourds et robustes. Vu de dessous, voilà ce que ça donne, avec donc les petites les petits trous pour le faire avancer et Là encore, donc, il, vous, il nous est possible donc de pouvoir y placer la petite figurine attitrée. Voilà, petit véhicule vraiment très sympatoche. Et on va terminer donc par le ChronoJet 5 de Force Rose. Voilà, qui, là encore, est assez similaire à celui du Ranger Jaune, mais voilà, à quelques différences près, hein, notamment donc ces parties-là latérales, les ailes un peu moins profilées, l'avant plus arrondi. Voilà, le cockpit se change un petit peu aussi. Pour le reste, hein, c'est absolument identique avec du silver, des stickers, les petites roulettes en dessous et bien entendu, donc le cockpit voilà aux couleurs du de force rose, enfin du ranger rose. Voilà, donc pour le petit tour du propriétaire de chaque véhicule individuel Petite chose que j'apprécie aussi avec cette team, en plus de donc de pouvoir y placer des figurines aux commandes, c'est que nous avons en tout quatre modes. Donc le premier mode où vous avez donc chaque véhicule euh, voilà indépendamment, individuel. Vous avez ensuite donc un mode jet furtif qui permet donc de réunir en un seul morceau donc tous ces véhicules là pour former bien entendu donc un jet plus gros. Nous avons ensuite deux modes robots, à savoir donc le Megazord Phantom mode bleu. Et le Megazord fantôme mode rouge. Voilà, donc des petites choses hein, qui font que voilà cette cette, cette team est vraiment euh, est particulièrement donc intéressante. Donc on va s'attarder tout de suite à la transformation en mode jet furtif. Alors pour commencer, donc nous allons prendre le véhicule du Ranger rose, Déloquer l'avant et venir le glisser comme ceci. Vous prenez cette partie là, vous la mettez de côté vous mettez de côté également ce véhicule là même topo pour le ranger jaune vous déloquez comme ceci et vous tirez voilà vous pouvez ensuite venir réunir ces deux parties là en les clipsant ici et ici comme ceci ensuite vous prenez le véhicule du ranger rouge vous avez donc les fixations à l'arrière, juste ici, vous venez placer les deux véhicules ainsi, et vous avez donc un petit un petit ergot qui permet de pouvoir les loquer de façon à ce qu'ils ne bougent pas. Alors petite chose que j'ai oublié de faire, c'est que voilà, vous relevez cette partie, vous la déclipsez et vous la relevez comme ceci. Et là, donc vous pouvez assembler les deux véhicules. Vous les loquez bien. Comme ceci, et vous rabattez cette partie-là. Ensuite, vous prenez le véhicule du Ranger Bleu, vous rabattez les ailes comme ceci, et vous avez donc une petite mâchoire ici qui va venir se fixer juste ici, et un ergot en métal là qui vient se fixer sur le côté comme ceci. Donc, vous commencez d'abord par fixer. L'avant du véhicule, puis l'arrière. Voilà. Même topo pour le Ranger Vert. Vous rabattez les ailes inférieures et supérieures. Et là encore, donc, vous allez venir clipser l'avant et l'arrière. Et voilà donc le fameux mode Jet Furtif. Voilà. Absolument extra. Je trouve que la combinaison vraiment fit super bien. L'idée est très bien pensée, ça nous fait un gros véhicule bien mastoc. Et ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on a donc le départ ici en, en métal, donc <coughs> en métal brillant, suivi donc de la ligne, voilà, de chaque côté, juste ici. Donc on a vraiment cette continuité qui fait que voilà, la, la crédibilité du, du mode du mode jet furtif est vraiment bien pensée. Voilà, hein, ça donne une sorte de petit triangle avec un V, comme ceci. Donc, vous avez cette configuration-là. Et vous pouvez également, donc, rajouter cette partie-là en dessous. Alors, pour cela, vous sortez, voilà, ces petites pièces, ici et ici, que vous allez venir loquer là et là. Et idem pour l'avant, ici, ici, là et là. Voilà. On commence. On clipse bien. Voilà. Et quand c'est fait, voilà, nous avons l'assemblage maximum de réaliser. Et ça, c'est vraiment excellent. Et même l'arrière, donc, n'est pas sans reste. Ça, c'est le petit détail qui fait vraiment bien plaisir. Et vu de dessous, voilà ce que ça donne. Voilà donc, pour le mode jet furtif. Et nous allons pouvoir passer à présent donc à la transformation en Megazord fantôme mode bleu. Alors pour cela, vous allez à nouveau venir déloquer l'avant du Chronojet 4 et 5. On met ça de côté. Vous venez déloquer cette partie là à l'arrière. Vous détachez. Ce bloc complet, voilà. Vous rabattez ces pièces comme ceci. Vous pouvez ensuite, alors que je me trompe pas, voilà, prendre donc ces deux parties-là. Ensuite, vous rabattez cette pièce-là comme ceci. Vous prenez donc le, vais le vaisseau du power euh, du Ranger Rose pardon vous venez placer à l'intérieur cette partie-là et vous loquez les deux petits ergots juste ici comme ceci vraiment voilà pour bien maintenir la pièce et ensuite donc vous n'avez plus qu'à réunir cette partie-là comme ceci la loquer. ce qui nous donne donc cette pièce là, voilà, que l'on va mettre de côté en attendant. Ensuite, vous prenez les deux ChronoJet 4 et 5, vous allez venir. Donc déployer toute cette partie-là, monter sur ratchet comme vous pouvez l'entendre. Voilà, vous rabattez cette pièce là vous faites une rotation comme ceci, une rotation comme ceci, ce qui va former la première jambe. Même topo. Pour la seconde jambe, comme ceci, une rotation, et nous avons donc le bleu qui prédomine. Vous prenez ensuite donc le ChronoJet 1 vous venez y fixer les gambettes comme ceci et vous loquez également donc le petit ergot ici voilà de façon à bien maintenir les jambes entre elles voilà alors je vais faire voilà une nouvelle mise au point ensuite vous prenez le ChronoJet 3 que voici, vous ouvrez cette partie-là, vous sortez le point, vous le mettez en place, donc le point est renforcé hein, par toute cette pièce-là, donc en métal très épaisse, vous pouvez ensuite venir rabattre cette partie-là, replier et loquer les ailes supérieures et inférieures, et juste ici, donc vous avez un ergo. Donc vous rabattez ces deux pièces comme ceci. Vous fixez le premier bras. Même opération avec celui-ci. Vous ouvrez, vous sortez le point. Petite rotation. On reclipse, on rabat, on lock Et on on vient placer le second bras et comme vous pouvez le constater hein, il est vraiment très grand donc ensuite vous retournez ce dernier vous prenez ce bloc là et vous venez le fixer grâce à ces ergots là dans le dos comme ceci Alors certes, ça lui fait quand même un, back un backpack assez imposant, mais ça permet en même temps donc de pouvoir tout stocker sur la figurine, voilà que je remets de face. Et pour finir, donc vous rabattez cette petite là, cette partie là en métal, comme ceci, de façon à faire apparaître le cucu, la tête de notre Megazord fantôme en mode bleu. Et petit zoom donc sur son visage plutôt très propre hein, donc la forme est assez originale comme on peut dire c'est pas le meilleur des, de, 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 de tous les modes surtout des modes robots mais, mais voilà il a le mérite en tout cas d'être d'être extrêmement euh, euh, fidèle donc à l'original et petite chose aussi qui est plutôt sympa sur ce personnage là alors je vais essayer de tout recadrer c'est que voilà nous avons pour une fois un méga zord qui comporte un peu plus d'articulation qu'un qu zord classique donc à savoir voilà une rotation des épaules l'avant-bras que l'on peut plier donc au niveau du coude nous avons également donc les genoux que nous pouvons voilà plier et les pieds que l'on peut lever et baisser. Donc voilà, un peu moins rigide et statique euh, que la plupart des Megazords. Donc voilà, un petit point vraiment euh, très sympathique. Et petit comparatif donc avec l'astro euh, issu de la série Power Ranger dans l'espace. Voilà, et en termes de taille, on peut dire que voilà, ce sont quand même deux grands pépères, un peu plus grands que certains, un peu plus petits que d'autres. Mais voilà, niveau taille, il n'y a pas grand chose de négatif à dire et nous allons pouvoir à présent donc passer à la transformation du second mode Zord donc à savoir le Megazord fantôme mode rouge qui est très certainement et bien évidemment donc le mode le plus réussi des deux robots. Allez, c'est parti. Et pour gagner donc un petit peu de temps magie de la vidéo, je les ai donc replacés dans leur mode initial. Donc nous allons pouvoir prendre notre Ranger vert rabattre Nouveau les ailes principales et secondaires. Ensuite, venir placer le cockpit comme ceci de façon à former le pied. Ensuite, vous prenez cette partie là. Ainsi, vous faites une rotation d'un quart de tour pour avoir donc ce, cette fois-ci non plus le côté bleu mais le côté rouge. Voilà pour le ranger vert. Même topo avec le ranger bleu. On rabat et on loque les ailes. On replie le cockpit de façon à former le pied. On lève cette partie-là et on aligne le slibar. Ensuite, vous pouvez prendre le ranger rouge. Vous faites à présent... Voilà, basculer cette pièce-là comme ceci. Vous faites une rotation vers l'arrière et vous venez loquer l'ensemble comme ceci. Nous avons déjà donc le torse de formé. Vous pouvez à présent venir loquer les gambettes comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez ces deux vaisseaux-là qui vont bien évidemment donc former les bras. Alors pour cela, je vais prendre un petit peu de hauteur, on vient les placer, les loquer comme ceci. Et dernière étape, on abaisse cette partie-là. On vient soulever et sortir le cucu la tête on replace le tout comme ceci et vous avez deux petites glissières à l'arrière donc vous appuyez dessus de façon à venir séparer et ouvrir le casque en deux et voilà donc notre deuxième mode prêt pour se fighter contre Rancic et sa fille Nadira. Et là, le mode robot est quand même nettement plus réussi que, que la version bleue. Mais bon, voilà, il innove quand même en proposant donc toutes ces, toutes ces, toutes ces possibilités. Donc vraiment très très sympathique. On va faire tout de suite donc un petit zoom sur le QQ, la tête Qui là encore est non seulement très bien réalisé, mais également très fidèle. Là encore à la série, voilà. Donc vraiment j'aime beaucoup la gueule et ce système de petites glissières hein, qui permet donc d'écarter les panneaux latéraux du visage pour laisser euh, celui-ci apparaître. Donc vraiment une très très bonne chose. Alors je vais refaire une mise au point, une vue d'ensemble, hop et voilà donc notre petit notre petit poteau vue de côté, de dos. Voilà, donc vraiment très sympatoche. Alors me manque là encore malheureusement l'épée, comme toujours. Hein, c'est souvent voilà, euh, c'est souvent les épées que j'ai toujours du, du mal à trouver. Mais néanmoins donc, nous avons cette partie-là qui de son côté donc peut venir former le bouclier de notre Megazord. Voilà, alors, je le tiens parce que, voilà, les articulations sont un petit peu lâches. Hein, C'est plus cranté comme avant. Et comme il y a du gros diecast, des grosses pièces en métal à l'intérieur, donc le poids est quand même assez conséquent. Hein, mais voilà, ça vous donne une idée à peu près du robot. Donc, mon juste, euh, voilà, mon juste on, son, son épée euh, chromée. Et voilà, donc le résultat est juste excellent. Et concernant les articulations, là encore, il fait plutôt très bien son taf par rapport à, à d'autres mégazordes hein, beaucoup plus rigides. Hein, nous retrouvons donc une rotation intégrale des bras. Nous avons également le genou que l'on peut plier à 90 degrés. Et le pied que l'on peut là aussi donc lever et baisser. Donc bref, c'est quand même du plaisir. Alors on lui remet son boucliouche et on va faire un... Un Petit comparatif à nouveau donc avec l'Astromegazord qui pour le coup donc est un peu plus grand. Euh, mais voilà, j'aime bien aussi donc ce, 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 cette version là qui est quand même beaucoup plus baraquée et on n'a pas donc ces énormes euh, voilà ces énormes parties, ces énormes épaules. Donc là voilà, je le trouve quand même beaucoup mieux profilé. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée donc au Time Force Megazord. Voilà vraiment petite pièce exceptionnelle, un must-have, une pièce que je ne peux que vous recommander tant celle-ci est bien pensée. Quatre euh, possibilités avec voilà une seule team, c'est juste du pur bonheur. Euh, c'est articulé, c'est robuste, il y a du plastique, il y a des pièces en, en acier, en métal. Donc voilà, la transformation est fun, quel que soit, quel que soit le mode. Donc vraiment pour moi, euh, l'une de mes pièces favoris euh, dans, ce style, dans ce style Megazord. Voilà, euh, que dire d'autre Oui, si vous avez la possibilité de le trouver, bah, n'hésitez pas à foncer dessus si vous êtes fan. Euh, J'espère donc euh, vous avoir fait découvrir une, une, une figurine. Donc, voilà pour les uns qui, qui ne connaissaient pas forcément, redécouvrir pour les autres donc cette petite figurine qu'ils ont peut-être dans leur collection et qui leur donnera envie de manipuler à nouveau. Euh, N'hésitez pas comme toujours à laisser vos impressions et vos suggestions dans les commentaires. Merci un grand merci d'avance donc pour vos pouces bleus. Euh, voilà synonyme que ma revue vous a plu, que mon robot vous a plu. Et voilà, que ma passion en général vous plaît. Hein, ça fait toujours très très plaisir. Euh, bienvenue donc aux nouveaux abonnés dans ma petite famille euh, de Transformers, de fans de Transformers et surtout donc de robots transformables. Voilà, merci comme toujours aux plus anciens et aux fidèles. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne semaine, plein de courage. Et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. Euh dis papy. Enfin, Mini Moi. Euh ouais mec. Tu crois qu'un jour j'aurai un gros robot comme ça Hein Euh si je peux me permettre, Mini Mini moi. Euh ouais papy. Qu'est-ce qu'il y a Bah tu sais, Mini Moi, il a un gros exosquelette, comme tu peux le voir. Euh oui. Ben bah, c'est pas pour autant qu'il est moins con. Ah ah bah ouais c'est vrai alors j'avais pas pensé à ça mais si c'est pour avoir ton cul une moule euh, je préfère garder ma moto. Ah ouais ok je vois je vois c'est une mutinerie, c'est ça bon bah je vois qu'une chose à faire. Bah quoi? Ben bah, me casser disparaître partir loin. « Très loin, très très loin. À l'autre bout du monde, sur une île déserte. »« Euh, j'ai dit quelque chose qui ne fallait pas ?»« Non, non, c'est juste que ça change la donne. »